Ouais, du coup, ouais, donc du coup, Voilà, donc mon les. scénario n'est pas lisible et c'est bien dommage. Non, mais enfin, Après, c'est. bon, le papier, il n'avait pas disparu Ouais, mais on entre l'a les pas deux relu. sessions. Vous l'avez juste pas relu. Si, en plus, vous l'aviez relu. Sérieux, mais j'étais Ouais. pas attentif. Bon, donc on finit la session sur ce papier, donc. Sur le papier qui dit que T, c'est signé T, Voilà. de manière très discrète, a bien reçu le poison et se tient prêt à frapper. Il demande quand est-ce qu'il doit frapper. Visiblement, il a reçu la réponse puisqu'il saura quand frapper. Oui, et il frappera. Voilà. Et en plus, l'information suivante est qu'il est toujours sous les ordres de C'est Suiter. ça, donc là on commence à regarder l'organigramme en se disant, alors un Un T mec qui sous commence par Suiter. C'est T. marrant, il y a un gars qu'on ne devait pas aller voir qui s'appelle On Tamatirori. devait aller le voir ici On en devrait aller voir plus, ici juste en à côté plus. des lieux d'attaque de caravane. C'est con qu'on soit pas allé le voir du C'est coup. con qu'on l'ait pas vu. Du coup, il est parti. Non, 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 on est allé le voir. On est allé Oui, le on est voir allé le avec la voir. tête de l'homme le muet. Ouais. Qui était un peu pourri dans le sac en fait. Enfin bref, je vais raconter pour Je la m'en prochaine souviens session. plus. Donc on finit ce scénar en se disant. Tamatirori, qui, bon, vous l'aurez compris, c'était lui. Non, 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 moi j'allais faire une bonne blague. Ben, j'ai une petite anecdote. Bon. Donc du coup, sous les ordres de Suiter, la lettre commence par un T, c'est forcément Praten. Ben oui. C'est forcément Praten, ça peut pas être Tamatirori, Ce c'est serait beaucoup trop trop. C'est trop facile. obvious. Ce serait trop facile. Donc quelle anecdote, vas-y? Tamatirori, et en fait, son nom, je l'ai trouvé en cherchant un traître. Et Tamatirori, c'est l'anagramme de I'm a traitor. Énorme! Voilà. Oh putain, énorme! Oh, on n'aurait jamais cherché un truc Donc, pareil. t'aurais jamais cherché un truc pareil, mais j'en mets des trucs à droite, à gauche, D'accord. dans la Pas manche. mal. Not bad. Donc on finit la session là-dessus. Alors là, on arrive à la 5e session. Eh oui, déjà. Donc quand même, hein, 6 sessions Six sessions en en 4 3 ans, ans. ça m'a. 4, 3, 4 ans, ouais. 3, 4 C'est ans. pas mal, hein. Ça revient vraiment à la cour putréfiée, hein. Quand on putréfie, on a fait On a un bon rythme. On a un bon un rythme. bon rythme. Sauf que vous êtes niveau bientôt 9. Ok, t'es plus généreux. Et alors? Bon, en vrai, vu ce que vous avez bourlingué, j'aurais vraiment dû vous up beaucoup plus, mais j'ai pas envie de rendre le truc trop imprévisible à base de magie. Genre qu'on utilise trop nos pouvoirs magiques pour faire des conneries? Parce que toi tu sais, parce que tu es magicien, c'est ça? Je connais la C'est horrible, tentation c'est et horrible. Le magicien, là, lui, il joue un magicien elfe dans la cour putréfiée, mais il défonce tous mes plans à chaque fois. Tous mes scénarios, il trouve un truc, Mais la magie est trop puissante c'est dans ce ça. jeu, j'y peux C'est ça. rien. Et du coup, en fait, j'ai un petit peu. C'est un peu triste pour ceux qui ont des pouvoirs magiques, mais même les pouvoirs Bah. magiques de bas niveau sont très utiles pour faire avancer une situation. Mais Même on sait si pas s'en servir. prêtre, c'est pas. Bah, vous en savez pas très bien, là, mais prêtre, c'est pas le rôle le plus. Enfin, c'est pas le meilleur rôle à jouer, et surtout pas dans cette campagne qui est très restrictive niveau magie. Vous avez assez peu d'items magiques, malgré que, en fait, vous soyez passé à Absalom avec un petit peu de thunes, mais pas suffisamment Pas pour trop. vous acheter Et au final, le seul objet autant magique d'objets. important que j'ai, c'est une perle de thaumaturgie. Qui est pas Que vous mal, hein, avez finalement. trouvé, en fait, sur. Non? C'est une récompense. On l'a au D'accord. scénario 5, en fait. Oh oui, il Voilà, vous le donne c'est ça. justement Ouais, quand en vous allez. récompense. Donc, après toutes ces péripéties, on retourne dans la ville d'Ordoran. Et alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on récupère la récompense. Ou on va voir Thanatiroi en premier. Oh, on a été sérieux, on s'est dit putain, on l'a complètement. Non, vous êtes Si, parti du continent sans le voir. si, si, on l'a vu, et justement, il s'est méfié de nous. Il y a un test de bluff qui est pas passé. Il s'est grave méfié de nous, en fait. Donc, on lui a montré. En fait, on lui a montré Oui, la. non, mais non, vous avez chopé la récompense avant, par Ah merde. Donc, contre. on lui Alors, a vous êtes montré revenu avec la. des têtes de bandits. On lui a montré la tête de Hon le Muet, en espérant le faire réagir, et en fait, Simon l'a hypnotisé en mode dis-nous tout ce que tu sais. Oui. Et le gars, en fait, je pense qu'il avait dû réussir son jet, parce que. Et en même temps, la question était mal posée. En plus. Donc il a dit tout ce qu'il savait, c'est-à-dire qu'une caravane a été attaquée ici, avec concerne. On n'a pas parlé de ce qu'on a récupéré aussi. Je m'en souviens plus. Bah, en fait, ça, on devait récupérer la cargaison des vigilants. Ouais, ah Donc il y oui, avait des bien sûr, ça je m'en potions qu'on n'a souviens. pas prises, franchement, on n'a touché à rien. Et il y avait un coffre bizarre. Hein. Un petit coffret. Un petit coffret Très avec. énigmatique avec des motifs Genre un truc, changeants à la c'était de surface. l'ébène et d'un truc en métal argenté qui se déplaçait sur le. Qui imitait un petit peu des symboles électriques à la. Ça, tu ne l'as pas vu. On s'en est rendu Ceci compte dit, quand on des l'a touché petits en fait. éclairs argentés à la surface qui se déplacent. Et du coup. Voilà, en Donc fait, là, on va ça, peut-être pas l'ouvrir. il y a un taser.
Donc on avait embarqué tout ça avec une écharpe parisienne, Le mieux, sûrement. c'est que vous auriez pu l'ouvrir. Bah oui, on a toujours pas eu l'occasion d'ouvrir d'ailleurs. Bah si, juste après vous, je suis électrocuté. Bref. C'est génial. C'est génial parce que le truc, il se... Mais j'ai un groupe comme ça, il faudrait que je vous fasse jouer un Il serveur. Hein. t'électrocute, puis il a quelques Il heures a un cooldown de quoi, ouais. cooldown. Mais tu sais, il faudrait que je vous fasse jouer un scénar comme ça, parce que pareil, j'ai un groupe qui a pu vous toucher des trucs parce que justement, Non mais c'est électrocuté. génial, d'essayer de jouer sur la psychologie en mode... Ça marche très bien et on se fait avoir, on se fait avoir comme des. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va voir Tamatirori dans une taverne. On lui met la tête de On. Il nous donne quasiment aucune information, Ouais. alors qu'on le suspectait grave, et du coup il nous suspectait grave Grave aussi. aussi, Parce qu'au final, la voilà, tête c'est... de On, elle commençait à puer un petit peu parce qu'on l'avait quand même trimballée pendant une bonne journée. Et bon. Pauvre homme finir décapité comme ça, lui Ouais, qui c'est était ça. si sensible. Et le gars, bon, Pas de justice. au final, on a rien. Il nous dit juste, bah, vous pouvez repartir pour donner les infos à. On parle pas de la lettre. On lui parle pas de cette lettre-là parce qu'on le suspecte grave. Ouais. Ce Et qui est logique dans le ce fond. qui est logique, hein, et je pense qu'on l'avait fait, il serait intervenu d'une certaine manière. Il aurait tenté de vous assassiner avant que vous partiez, C'est ça. clairement. Donc on va. Il aurait d'ailleurs dû le faire, mais. Bah, on est parti à J'avais Shippuden. envie de garder le combat un petit peu plus crypté que Ouais, ça. putain de combat d'ailleurs. Et on va voir le chef de la ville, on lui dit, bon bah on a tué les bandits, on veut notre récompense. Et au final, il nous donne pas forcément la bonne. Il nous donne pas la somme qu'on avait plus ou moins négociée. Et il nous donne des bouteilles de vin. Ouais. Il nous donne deux bonnes bouteilles de vin. Qui seront utiles pour la suite de l'aventure. Tu as oublié ça? Vous en faites quelque chose, Ouais, on en fait quelque chose. Bah, je vais te le rappeler là. vous bribez quelqu'un C'est avec, ça. ouais, c'est ça. Donc on repart Mais de oui, là. Eh ces bouteilles de oui! vin! C'est génial. C'était génial, c'était Cette parfait, aventure c'était est parfait. trop bien décrite. Et je crois que c'est seul. Et je crois que c'est seul. Je crois que c'est seulement là qu'on va vendre les deux maudites. Hein. Je crois qu'on la vend pas avant. Si, vous la vendez à Absalom là, en rentrant. En rentrant. Donc on rentre. Et. Toujours c'est Absalom et Non, soit avant c'était Rivenor. bien la session chez Aurélien parce qu'à la fin de la session, il y a Zamy qui m'a dit combien il l'avait vraiment vendu. Donc c'était bien la session chez Aurélien. Non, c'est la question chez Samy. Chez Samy, oui, chez Samy. On que des flashbacks, c'est difficile d'être C'est dans le dur temps quoi. de suivre. Et bon, faut Aussi savoir. dur à suivre que de la jouer. Donc faut savoir en fait une partie du groupe, et je dis bien une partie Désolé. parce que les bons n'ont pas participé à cette. Les honnêtes. Les bons, parce que le. Il n'y a que moi et le paladin qui n'étaient pas au courant, je crois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc les bons. Les honnêtes. Bon. Non, parce que dès qu'il essaye de faire le malhonnête, ça marche pas. C'est pas faux. C'est pour ça que j'arrête de faire le malhonnête, ça ne marche pas. Ça marche pas. Il a pas l'esprit malhonnête. Donc, une partie du. Un indice. Quand on cambriole une boutique managée par Aurel, il faut attendre. Quand on est un roublard, qu'on rentre de nuit par effraction dans une boutique, il doit attendre qu'on pète une vitrine, pour récupérer ce qu'il y a dessous, pour comprendre qu'en fait on cambriole le truc. C'est génial! Non. Si? Non, je l'ai compris avant. Non. Si t'as compris avant que je pète, c'est quand j'ai commencé à essayer de cambrioler, de crocheter. Ouais, enfin, on va vraiment raconter ça ici. Non, ça n'a rien à voir, c'est une aparté, donc on va le faire. Je suis très naïf. Tellement naïf que les sécurités magiques, diaboliques, se sont En déclenchées gros, il sait. uniquement une fois que le MJ a compris que c'était un braquage. Mais je crois que c'est dans les audios de l'événement sur les ruines. Hein. J'ai laissé le moment où je fais, mais tu veux la cambrioler? Et là, tout le monde me fait, mais c'est évident, Mais c'est tard! ça fait 20 minutes qu'il veut Ça fait 20 cambrioler. minutes qu'il essaye! Bref, je ne pourrais pas être magouilleur. Si je faisais roublard, ce serait ridicule. Il y a des chances. Il y a de fortes chances. Je ne veux pas t'interdire la classe, mais. Donc, bon, Tu bref. risques pas de prospérer. Non, pas trop. Moi, je vais faire Robin des Bois. Je vais voler et puis je vais donner au. Et où est-ce qu'on en était? Du coup, oui. Donc, en fait, l'autre partie du groupe, donc la groupe Magouilleur, donc en fait tout le reste, A vendu au marché noir au marché d'Absalom noir l'épée d'Absalom, maudite l'épée maudite, du bien sûr. domination zone Et ils en ont cutanique. eu pour beaucoup. 8K? Un peu plus. Plus? Non. Un peu plus que 8K. Donc 8000 pièces d'or, hein, Il tout me semble que c'était simplement. un peu plus que 8K, Et. mais qu'il y a eu des frais. Oui, il y a un truc comme ça. Il y a eu des frais pour entrer en contact Avec avec le le marché marché noir. noir, Du ouais. coup, ils ont allègrement déduit ça des prix de vente.
Et honnête. en revenant auprès du groupe, ils leur ont dit, on a vendu l'épée, ça nous a revenu à 2000 pièces d'or. C'est ça, plus un. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai spoté, hein, je me suis rendu compte Qu'il y avait un peu de la qu'il y avait merde. de la merde. Mais je ne suis pas intervenu maintenant, c'est là que j'interviens. Donc Pas, pas, pas. je suis pas intervenu à ce moment-là. Et en gros, ils nous l'ont fait à l'envers, ils ont partagé 2000 pièces d'or pour tout le groupe, sachant qu'ils avaient déjà partagé les 6000 qui restaient pour ceux qui avaient magouillé. Pour eux Donc deux. ils étaient pété thunes. Ouais. Gavé. Gavé, complètement gavé. Et justement, au voyage de retour vers Absalom, je vais voir Inis. Je lui dis, excuse-moi Inis, tu peux venir un moment? J'avais demandé au capitaine de lui emprunter sa cabine. J'avais dit à Vendor, viens Oh. par là, je vais avoir besoin de toi. Donc Vendor bloquait la porte de la cabine. Inis était dedans avec moi, en face, et moi je lançais hein, une zone de vérité. Et je lui ai gentiment demandé, du coup, combien a coûté l'arme exactement? Donc là, il a commencé à me révéler des trucs. Et ça a commencé à causer pas mal de merde dans le groupe. Parce qu'à partir du moment où il y avait des problèmes de thunes, on a beaucoup ralenti le jeu en fait. Ouais, c'est à la fois drôle et à la fois chiant de d'essayer de régler les problèmes de thunes Parce entre qu'au fi joueurs. parce qu'au final, il y en a qui s'étaient barrés, donc ça faisait de la thune qui avait disparu. Disparu corps et âme. Les joueurs qui restaient, ils vous avaient pas envie de donner leur thune, ils disaient bah Clairement. non, moi je donne à limite une partie de ma part, mais pas tout. Enfin, bref, j'ai rien récupéré, hein, tout simplement. Pas grand-chose. On était Quelques baisés. centaines, je crois. On était baisés, je l'ai encore entendu en parlant de la gorge. Et je parle pas de ce qui vient dans cette partie du scénar. Sixième session, la pire. La meilleure. La meilleure, clairement. De loin. Non, je déconne. Donc, on retourne à Absalom. On informe un peu les gens sur place de ce qui s'est passé Cette et on querelle a annonce. pris le plus à cœur. Oui. Et on annonce à Nécorien qu'il risque de se faire empoisonner. Ouais. Je sais même pas comment on a eu cette putain de déduction d'ailleurs. En fait, on lui annonce qu'il va y avoir une tentative de meurtre, mais je sais pas comment on a appris que c'était lui qui était visé. Dans tous les cas, Nécorien, parce que vous lui avez filé les reliques à Nécorien et que dans le message, il y a marqué qu'il va récupérer les reliques une fois que ce sera fait. Du coup. On rend son coffret chelou à Nécorien qui est très content de le récupérer. On a complètement oublié la partie d'intronisation de Simon où il boit la potion dégueulasse. C'est pas grave, c'est pas très important, mais l'entrée en matière de Simon était haute en couleur. Il s'est dit, tiens, je vais identifier la potion qu'il avait récupérée chez les orques rouges, là, La dans le potion qui lointain. absorbe la chaleur, Ouais, c'est la ça. lumière et tout le reste. Il s'est dit, pour l'identifier, je vais la boire, enfin, Pour je vais la obtenir un goûter. bonus pour identifier la potion, je vais la goûter. Et il a dégueulé sur le bureau de Nécorien. C'est tout sympa, ça aussi. Et là, il nous dit, je crois que ce n'était pas bon. Peut-être. Parenthèse refermée. Nécorien l'annonce qu'il a sûrement une tentative de mort sur sa gueule. Il en a un peu rien à péter. Ouais. Parce qu'il a son coffret. Hein. Il nous annonce qu'il n'en sait pas beaucoup plus sur la potion. Et il organise une grosse fête. Comme ça, hein, tant qu'à faire. On veut m'assassiner, j'invite des gens. Hein, C'est mort. la base. Et il nous invite dans son petit manoir privé. Sur une petite île. Ouais. Où on rencontre le. Il s'appelle pas Tyrion, mais je l'ai appelé Tyrion une grosse partie du scénar. L'homme de main, enfin pas l'homme de main, le majordome. Comment s'appelait-il? Ah mon dieu. Quand ça ressemble à Tyrion. Ça commence par Ouais, bon, c'est pas c'était grave. censé être un des T qui vous ferait C'est ça, et monter. du coup on avait un doute, on s'est dit, mais attends, c'est Amateur ou c'est lui? Oh! C'était très relou, ça, c'était très relou. Donc on l'a grave suspecté. Alors, c'était comme les majordomes dans ce genre de trucs, ce sont des suspects potentiels. Hein. Savoir c'était pareil, hein. Et croire de putréfier, c'était pareil. Oups, ça il va falloir que je coupe. Parce qu'il y a Chloé qui joue dessus et ils en sont pas encore à scénar, donc fatalement. Tu leur fais jouer avant qu'ils mettent la vidéo en ligne. Oh, ils en sont même pas là, ils en sont aux deux tiers du procès de la bête. Ah oui. Et on joue à peu près au même rythme que votre groupe. Oh là, vous avez encore quelques années. C'est Tu mets ça. la vidéo en ligne dans quelques années, ça vous rafraîchira la mémoire. Ah oui. Donc lui, elle est majordome. Donc il fait sa petite fiesta. Et d'ailleurs, c'est sympa parce qu'en fiesta, il nous paye.
Il nous paye, alors il y a Il des fait épées. pleuvoir la Donc il y a des thune! épées magiques qui tombent, il y a des pierres de thaumaturgie, il y a des phylactères du croyant, il y a de la thune, de la thune, de la thune. Du tube money. J'aimerais en dire, le mage a rien eu, mais non, le mage n'était plus là de toute façon à cette date de l'histoire. Il est Donc parti. Prolix et The Glock sont partis. Un petit différent à propos de la morale de ce groupe. Oui, le prétexte, du coup, il C'est fallait ça, trouver un il fallait un prétexte prétexte. roleplay pour retirer Prolix et ce Glock de l'aventure. Alors que c'était les deux plus gros fouteurs de merde au final. Surtout Prolix. Parce que Bah, c'est vrai que Prolix, Prolix avait des idées particulièrement intéressantes sur bah, la conduite. sacrifier des ors, faire des expériences sur Ouais, ce eux, genre de choses. cambrioler des forgerons, enfin. Tout quoi. Des idées de roublard, quoi. Ou il aurait été plus roleplay en roublard, c'est sûr. Ou en barbare. Aurélien Barbare, il faisait des ravages. Ça marchait bien. Ça marchait très bien. Occupé de la Bref, quoi pauvre. qu'il en soit, les deux se sont barrés en prétextant un désaccord profond avec la manière dont le groupe se conduisait. Bam! Merde. Pas C'est mal. moi qui devrais me plaindre là-dessus, mais bon. C'était du troll, mais... Bon, ils sont partis, on a continué sans eux. Ouais. Donc on a eu de la thune, et ça c'était plutôt cool. Money! Mais pas autant que le chasseur de primes, lui. Un paquet de thunes. À un moment, il achète plus de 1000 pièces d'or en parchemin. Enfin, donc, et pendant la fiesta, à un moment, Manécorien s'apprête à faire un discours. Alors, il brandit un verre pour un toast ou je ne sais pas trop quoi. Et là, on lui fait. C'est Simon qui fait non, ne buvez pas ça! Et là, t'as des coquilles. Et il boit, tu sais, on était deg, on dit, non! Il boit, et là. Et là, il commence à continuer, puis. C'est ça, il continue son discours pendant 1 ou 2 minutes, histoire Ouais, de et vous faire puis. passer l'idée que... Puis là, il commence à tousser, et puis il s'écroule, et là. Alors là, c'est de la stabilisation, de la canalisation, de la détection du poison, enfin, il y a tout. Il y a tout qui y passe. Le mec est en état horrible. On essaie de le soigner. On l'amène dans sa chambre, la fiesta. Je crois qu'on boucle tout le monde. Parce qu'on veut interroger les gens, enfin. Faites passer la noblesse, la petite noblesse invitée D'Absalom. ici par la zone de vérité. C'était le bon move pour vous faire des amis, ça, je suis sûr. On a vraiment fait ça? Oui. Oh putain, faut que je réécoute, je m'en rappelle plus de ça. bah, vous avez Chaque fois, passé tous c'est. les gens présents à la zone de vérité. Chaque fois, c'est la partie du scénar où je m'endors. Donc, ouais. On interroge un peu tout le monde. Sais, du petit noblillon est bien aigri qui a un petit peu de moyens mais pas trop, tu vois. Ouais, et puis qui te fait bien comprendre que tu le fais chier, C'est quoi. ça, vous cassez les couilles pour le passer en manu militari à la zone de vérité. C'est le bon plan en soi, C'est le d'ailleurs. bon plan. Mais au moins, on était tranquille.